Le ministère des Finances et du Budget du Sénégal veut débloquer 69 milliards de francs CFA pour la résolution de la crise scolaire en cours. Après plusieurs semaines de grève des enseignants, le gouvernement et les syndicats se sont réunis le 3 puis le 12 février 2022 pour apporter des réponses aux revendications portant principalement sur le système de rémunération. Nous, au niveau de l'Association des juristes africains, nous avons sorti même un communiqué avant-hier pour dire qu'en réalité, le droit à l'éducation devrait être mieux respecté et que l'État devait faire preuve d'une plus grande volonté politique. Seulement, les propositions qui ont été faites concernant ces milliards, ce sont des propositions qui sont à conjuguer au futur. Or, il semblerait que les enseignants souhaitent que cet argent soit quand même là en monnaie sonnante et trébuchante. Les enseignants jugeant l'indemnité de logement trop faible par rapport aux autres corps de la fonction publique, les autorités veulent la relever de 50 à 60% et augmenter de 100% la prime scolaire. Aujourd'hui, 100% c'est pratiquement impossible de revalorisation. Il faut progressivement, dans les années à venir, que le gouvernement essaye de proposer un calendrier sur plusieurs années pour pouvoir atteindre quand même le rang normal qui est le leur, parce que les enseignants quand même, c'est un métier noble et ils méritent quand même un salaire décent. La grève n'a fait que trop durer et les pauvres enfants sont pénalisés dans cette situation-là. Donc il est important que le gouvernement et les enseignants, chacun fasse preuve de souplesse. Au-delà de ces revendications, le syndicat autonome des enseignants du moyen et du secondaire exige le respect des accords signés en 2014. Par conséquent, ils entament une nouvelle phase de leur plan d'action qui a démarré lundi 7 février 2022, allant de débrayage à une grève totale prévue les mercredis 16 et jeudi 17 février 2022.